Vidéo unboxing. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne, donc j'avais trop envie de faire. J'ai vu plusieurs fois sur YouTube et je me suis dit que le concept était plutôt cool, donc je vais faire une vidéo unboxing. Donc je vais vous déballer une paire de chaussures que je viens de recevoir. Comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo où je vous montrais ma wishlist de sneakers, je m'intéresse de ouf aux shoes maintenant, donc j'en veux plein. Et je vous avais dit dans ma wishlist la prochaine paire que je voudrais acheter, et je l'ai acheté, je l'ai reçu. Donc du coup, je vais vous faire l'unboxing de cette paire. C'était, je vais changer de plan, mais c'est juste pour vous faire une petite intro vite fait. Et voilà quoi. En vrai, je suis trop content là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vais changer de plan là direct et à tout de suite. Je vais faire différents plans au pire, c'est pas grave. Donc, on commence donc la boîte tranquille, hein, une boîte de Puma normale. Ah, je sais pas si vous pourrez voir à chaque fois les écritures. Donc, s'il faut, je ferai un focus. Où c'est fut. Bon, ça, on s'en tape aussi. Donc, ça qui est un peu plus intéressant. Alors, faisons le focus. S'il veut bien lui aussi. Voilà. Donc, ouais, je fais du 45. La paire, j'ai acheté sur le site de Courir. Donc, de base, elle était à 130€. Sauf que, évidemment, j'ai attendu les soldes. Et elle est passée à 91. Donc, je pense que c'est une bonne promo. Je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse. Ça intéresse certaines personnes. Même si, vu la promo, enfin, c'était quand même une bonne affaire. Donc, je pense plus qu'il reste beaucoup de taille. La dernière fois que j'y étais allé, il restait seulement du 43, du 42, du 41. Donc, pour ceux qui sont intéressés, bah, go. Hein. Donc, voilà, je pense qu'on a assez analysé la boîte. Hein. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la paire. Parce que, en fait, je l'ai toujours pas ouverte. Hein. J'attendais vraiment la vidéo pour l'ouvrir, donc là je suis trop pressé. Alors. Bon, ça de toute façon on s'en fout, hein. Voilà, ah, elle est belle, hein. Bien fidèle à la photo. Donc c'est vraiment la mode dad shoes. Donc elle est vraiment imposante. Mais moi je kiffe cette mode là. Donc là si vous voyez là, cette partie ici c'est du tissu. C'est assez fin je dois dire. Et là cette partie ici c'est du cuir. Et le reste, alors là les matières, j'ai aucune idée les gens. Là à l'arrière je pense que c'est du daim. Là ouais, ça ressemble un peu à du daim. Bon, faudra que je fasse attention parce que le daim, l'eau, c'est pas bon. Comme ça, je suis pas un spécialiste, mais je pense que c'est du caoutchouc. Là, à l'arrière, là, ici. Surtout la grosse partie grise. Donc, ouais. Oh, elle est vraiment belle, cette paire. Le dessous, bon, rien de ouf. Bon, faut dire que qui qu'elle a le dessous, même. Je vais vous montrer vite fait ce qu'elle donne portée et je vais vous donner mon ressenti, on va dire. Comment je me sens dedans. Et je vais peut-être vous faire quelques outfits sur mon Insta avec. Donc, si vous voulez voir les outfits, bah, comme vous le sur Insta. Hein. Comment j'ai trop bien glissé. Donc voilà les gens, je pense que ce petit unboxing est terminé. Je vais finir la vidéo avec le on fit. Je pense que cette chaussure elle est grave intéressante parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc il y a pas mal d'idées de tenues qu'on peut faire. Tu peux mettre ça avec un sweat orange, avec un sweat jaune, avec un sweat bleu, avec un jogging gris. Je pense surtout avec le jogging gris parce que là je pense que ça peut vraiment bien rendre. Donc voilà les gens, l'unboxing est terminé. C'était une vidéo très courte mais j'ai bien aimé la faire. Analyser une paire de chaussures comme ça, c'est quelque chose que j'avais jamais fait, mais c'est quelque chose que je trouve pas mal. Pourquoi pas à refaire. C'est une autre façon de présenter la chaussure. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mercredi prochain, 21h. Portez-vous bien. Tchuss. Ouais, genre juste calculez pas le fond archi éclaté à l'arrière, on s'en fout. J'ai eu un problème avec ma porte en fait, mais c'est pas grave. Donc la paire en soi, elle est, bon, elle est confortable. Je vais pas dire que je me sens comme dans des chaussons, parce que le dessous, il est quand même assez dur. Mais on se sent bien dedans. C'est une dad shoes, donc forcément tu te sens un peu plus grand quand tu la portes. C'est pour ça que moi j'aime bien les dad shoes, ça te grandit un peu. Bon, donc ouais, confortable, mais ça se voit vraiment que c'est une chaussure de lifestyle quoi. Tu vas pas faire du sport avec ça parce que clairement t'auras mal au pied à la fin. Mais sinon, donc ouais, rien à dire. La paire elle est belle, elle a beaucoup de couleurs. Elle peut permettre beaucoup d'associations, donc ouais, rien à dire. Sneaker au top. On va pas dire qu'elle est simple, hein, évidemment, parce que il y a plein de couleurs quand même, mais bon, je surkiffe. J'espère que la vidéo vous aura plu, les gens, parce que je compte faire d'autres unboxings de sneakers si j'en reçois d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et tchuss!